Ambiance très sympa dans les tribunes du Stadium Australia. Benjamin Da Silva et donc Omar Da Fonseca, la team Dada au grand complet pour vous commenter ce match. Et la tension est palpable ici avec ce match qui promet d'être très intense. Les États-Unis contre le Nigeria. Et oui, on se retrouve une nouvelle fois pour partager des émotions extraordinaires. C'est ça le football, c'est la passion qui s'est transmise entre le terrain et les supporters. Et voici la composition de l'équipe américaine. On reconnaîtrait leur style de jeu rien qu'au bruit que font les passes. Et oui, tic, tic, tic. La bonne passe, c'est celle-là qui fait chou, chou. Le style de jeu, c'est ce son, cette maestrie dans la transmission. La clé du jeu de possession, c'est ce ballon aussi qui doit circuler très vite. Fouf, fouf, fouf. Oui, une touche, deux touches maximum. Le ballon court plus vite que tout le monde. Voilà donc la composition de départ pour le Nigeria. Une formation assez classique avec ses deux ailiers de chaque côté. C'est le 4-3-3 traditionnel. Allez, c'est parti ici au Stadium Australia. Emily Fox. Le ballon dans la profondeur. Ah, il s'est bien anticipé cette passe en profondeur. Et le ballon intercepté dans une zone dangereuse. Ah, l'appel était bon, mais il y a un souci de timing. Hors-jeu, logique. Ah, et ce ballon qui est perdu. Voilà, ouais, faute, l'arbitre l'a vu, mais elle laisse jouer. Bonne intervention pour stopper l'attaque. Ah, le corps protège parfaitement le ballon. C'est une bonne progression dans le camp adverse. Elle a opté pour le centre et c'est capté là sans trop de problème. Oui, c'est une bonne intervention sur cette passe. Et bien vu ça, le ballon en profondeur. Voilà, du monde démarqué pour reprendre le ballon. Et oui, c'est dedans! Avec ce geste acrobatique, la volée pour reprendre ce ballon, le propulser au fond des filets. Mais quelle adresse! Quelle contre-attaque! Regardez un peu, il y a la vitesse, l'intensité, l'efficacité, l'accélération, tout y est. Évidemment, ce n'était pas le plus difficile à mettre, mais bon, il fallait être là. Et avec cette ouverture du score, le match se débloque. Passe à l'adversaire, ça c'est pas bon du tout.
Allez, il faut l'aider, lui proposer des solutions. Il centre bien intercepté, ça ne donne rien. Ouais, ça joue maintenant dans un couloir. Oh, ça peut aller au but. Encore une chance. Et voilà le but dans une cage désertée. Ça devait arriver et c'est bien joué d'en profiter. On revoit la conclusion de l'action dans le but vide. On se demande où était la défense. Et score de parité avec ce but inscrit, un partout. Oh, allez. Ochoa là. Ah oui, le ballon toujours en sa possession. Oh, le tacle pas bien maîtrisé. Évidemment, il y a faute là-dessus. Et cette faute mérite le jaune. C'est ça qu'a décidé l'arbitre en tout cas. Il y a du Juninho dans ce coup franc. Oui, mais avec l'ancien capitaine lyonnais, ça finissait souvent du bon côté des poteaux. Et le ballon est dégagé. Et ballon dans la profondeur. Allez, un bon ballon pour faire la différence. Oh, c'est une interception cruciale sur ce ballon très dangereux. Le ballon est dégagé, l'arbitre indique le corner. Ouais, c'est un corner bien joué, bien frappé. L'intervention est ratée, il y a toujours le feu dans la défense. Oui, coup franc accordé par l'arbitre sur cette faute. Le coup franc joué à terre. Et la balle captée sans difficulté et une occasion assez bêtement gâchée. Oui, parce qu'à cette distance, c'est but à chaque fois. Allez, balle au pied, il faut prendre un risque maintenant. Et il sera peut-être pour prendre les devants. Goal ! Et une nouvelle fois, les voilà devant. Maintenant, il va falloir garder cette avance. Techniquement, c'est sûr, ce n'est pas le plus difficile. Tu mets le corps et tu joues le ballon. Le plus dur, c'est d'avoir eu l'idée de te placer ici. Et avec ce but, ça fait donc 2-1 au tableau d'affichage. Et c'est donc une touche. Sophia Smith. Et oui, le nouveau but. Pas le temps de respirer dans cette rencontre. Nous voilà à égalité. Tout est à refaire. Ce qui compte pour marquer ce genre de but, c'est pas la vitesse de la course, mais la vitesse du cerveau. Savoir saisir la bonne opportunité. Ah, le jeu reprend et le score est donc maintenant de 2 buts partout.
Le bon tac, c'est bien défendu. Il y a de l'espace sur le côté. Des possibilités pour reprendre le ballon sur ce centre. Alors oui, la défense récupère le ballon, mais il va falloir sortir vite. Et les voilà en possession du ballon. Donne. Allez, il faut la tenter. Oui, le réflexe là, avec ce ballon. Et voilà, la mi-temps est sifflée. Ici au Stadium Australia. Place à la deuxième mi-temps dans ce match très équilibré. Les deux équipes semblent se surveiller l'une l'autre. Et au tableau d'affichage, c'est toujours le score de parité. Dépossédé du ballon. Ah, super, le ballon donné dans la profondeur. Allez, il faut aller fixer maintenant. Frappe puissante juste à côté. Et le ballon intercepté dans une zone dangereuse. Et jaillit bien pour empêcher la frappe. Ah, il faut apporter le danger maintenant. Payne. Et voilà le but. Le contre, c'est aussi très beau à regarder. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est la vitesse d'exécution et la volonté de prendre tout de suite la profondeur. La finition à mi-distance avec cette frappe parfaitement en équilibre qui absorbe toute l'énergie. On la revoit, elle est imparable. Ah, le score est maintenant de 3 buts à 2. Intervention pour stopper l'attaque. Ouais, bonne intervention. Le ballon récupéré dans le camp adverse. En puissance dans son 1 contre 1, mais ça ne réussit pas. Ce n'était peut-être pas le geste qu'il fallait. Onumonu. Et la passe dans le dos de la défense. En excellente position. Ah, il y a encore danger. Et l'avantage se creuse avec ce deuxième but pour alourdir la note. Un but comme ça, c'est d'abord une grande qualité de placement et anticipation. Après, face au but, quand le ballon il arrive, même vous, Benjamin, vous le mettez.
4 buts à 2 au tableau d'affichage. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Et voilà une bonne récupération du ballon. Lavelle. Ballon pour Rose Lavelle. Et bien fait, quelle ouverture! Oh, l'occasion de revenir! Bonne intervention pour éloigner le danger. Ochoa là. Oh, la frappe! Excellente intervention! Et ballon récupéré sur cette bonne intervention. Voilà, le changement de rythme, c'est bien fait. Un peu de champ pour tenter une frappe. Et voilà une parade, mais ce n'est pas fini. Et au final, cette attaque s'arrête là. Magnifique arrêt. Son corps a obéi au mystère de la nature pour sortir son ballon. Le ballon donné dans le dos. Voilà, du monde démarqué pour reprendre le ballon. Oui, joli réflexe. Oran. Le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre. Allez, c'est bien défendu. Le ballon est récupéré. Ah, c'est un bon pressing qui permet de récupérer. Qu'est-ce que c'est bien défendu! Sullivan. C'est une bonne intervention pour écarter le danger. Et le changement va donc avoir lieu. L'équipe essaye de surprendre l'adversaire. Et encore un corner à tirer. Un corner qui est bien ajusté. Et la gardienne capte tranquillement le ballon sur ce corner. Ajibade. Et un ballon dans la profondeur. Et le ballon qui va être rendu à l'adversaire suite à ce hors-jeu. Dommage. Parce que l'action était intéressante. Un léger manque de coordination. Un peu trop de précipitation là-dessus. Très bonne couverture du ballon. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Eh, bien donné ce ballon. Et c'est reçu dans le dos de la défense. Ah, le ballon traîne, attention. Ouais, l'attaque adverse est finalement bien repoussée. Lavelle. Trinity Rodman. Ballon pour Rose Lavelle. Ouais, la différence est faite. Oran. Et peut-être le but pour revenir. Ouais, la parade. Le corner. Et là, le ballon est renvoyé sans aucune difficulté. À la conclusion peut-être sur ce ballon. Occasion. Ça y est, c'est terminé. Et c'est donc une victoire dans ce match de Coupe du Monde. Un succès assez net. Ces deux buts d'écart, ça donne une idée agréable de leur prestation aujourd'hui. Voilà, du monde démarqué pour reprendre le ballon.
Et oui, c'est dedans. Avec ce geste acrobatique, la volée pour reprendre ce ballon. Ouais, ça joue maintenant dans un couloir. Oh, ça peut aller au but. Encore une chance. Et voilà le but dans une cage désertée. Ça devait arriver et c'est bien joué d'en profiter. Eh, il y a du Juninho dans ce coup franc. Oui, mais avec l'ancien capitaine lyonnais, ça finissait souvent du bon côté des poteaux. Allez, balle au pied, il faut prendre un risque maintenant. Goal ! Et une nouvelle fois, les voilà devant, maintenant. Sophia Smith. Et oui, le nouveau but, pas le temps de respirer dans cette rencontre. Nous voilà à égalité, tout est à refaire. Ouais, super, allez, il faut aller fixer maintenant. Frappe puissante juste à côté. Ah, il faut apporter le danger maintenant. Payne. Et voilà le but.